Et bien bonjour à tous, salut, salut, c'est Mojopper, j'espère que vous allez bien. Genre écoutez, moi ça me tient qu'à la étude. Aujourd'hui les amis, on se re... Ah, attendez, quoi? Mais alors ça j'en connais, c'est le son d'un message sur le PC. Oui, en plus j'étais en train de nettoyer ma cuisine et tout, au calme, tu vois. On se retrouve pour du Minecraft. Alors, mais il est éteint, alors attendez, on va aller checker ça. Alors s'il te plaît, allume-toi. Oui, c'est ça le futur aussi, hein. Oh, attendez, quoi, j'ai reçu un colis mystère de la part de Nvidia. Bah attendez, bon, on va aller voir ça tout de suite. Ils ont dû sûrement me le laisser devant la porte, comme à chaque fois qu'on me donne des colis, tu vois. Attends, mais... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais attends, mais clairement c'est un bloc de dirt en taille réelle, mais c'est ouf! Bon, comment on ouvre ça là? Alors on va essayer... Ah, bon bah apparemment c'est pas la bonne méthode. Mais attends, mais GeForce RTX? Mais attends, mais c'est pas la technologie de ouf qui permet d'avoir le jeu en... Non mais en ultra réaliste! Attends... Oh! GeForce RTX 3080? Attends, il y a un papier dedans. Je... Voilà. Hello Furious, grande boîte, petit contenant, mais grosse émotion. C'est Noël avant l'heure avec Envy à l'occasion de la sortie de Minecraft RTX. Have fun, Alexandra. Oh, merci. Ah, c'est donc ça. Attends, non mais c'est un... Les gens, c'est un truc de ouf. C'est pas la fameuse boîte où il y en a que 3 en France. Je parle bien sûr du cube Minecraft, hein. En tout cas, la boîte est vachement belle. Que ce soit le cube, mais aussi également, regardez, la boîte de la GeForce RTX. Et bon, le plus beau, c'est l'intérieur. Et c'est une RTX 3080 Founder Edition. Oh là là. La technologie m'a porté de main. Bon, ça c'était dans la poche, voilà, ça c'est fait. Bon, il s'agirait maintenant de... Malade de fermer ça. Bon bah c'était bien sympa, hein. Merci beaucoup, hein. Donc, ouais, on après tout, on a rien laissé, hein. Ok, bon. Bah écoutez, j'ai hâte de tester ça. Du coup, on va mettre ça directement sur le PC. Alors attendez, on fonce. Il est juste là. Allez hop, on installe ça direct. Et du coup, maintenant, en place. Oh, y a pas à dire les gens, c'est quand même vachement stylé. Et bien bonjour à tous, les amis. Ici Jumper de retour en mode RTX Minecraft. C'est un truc de dingue et je vous reçois aujourd'hui les gens sur une toute nouvelle map RTX dans Minecraft, dans le Colisée. C'est un délire et c'est tellement un plaisir une fois de plus de faire partie de l'aventure RTX, car oui les gens, c'est officiel, RTX Minecraft vient d'être annoncé, enfin il vient surtout d'arriver, hein. Il vient de débarquer tout simplement, parce que vous vous souvenez qu'il y a quelques mois de cela, on a eu la chance de découvrir la bêta de Minecraft RTX, hein. Donc vous le savez, RTX c'est un truc qui change totalement le jeu. C'est un truc de ouf. On se croirait tellement en mode ultra réaliste, quoi. C'est un truc de ouf. Voilà, clairement, que ce soit au niveau des lumières, des effets de lumière sur les blocs, c'est incroyable. Oh là là, on se croirait dans l'arène. Ça y est, César, je suis là. Oh là là, mais c'est ouf. Et cette map d'ailleurs a été créée par la team italienne de Nvidia. Et là, je suis en train de vous faire un plan. Steven Spielberg, il est deg. Là, il est clairement, là, il est deg. Il va appeler. Ouais. Là, c'est bon, là, c'est magnifique ce que tu me fais là. Regardez ça, quoi. Vous imaginez arriver dans l'arène? Comme dans Gladiator. Oh là là, c'est beau. J'espère que vous êtes chaud. Non mais c'est vraiment ouf, hein. Franchement, on dirait qu'il y a de la poussière, tu sais. On dirait de la poussière. Et regardez les effets de lumière et les blocs. Regarde, tu vois vraiment le tout petit effet réaliste de la torche. Elle éclaire pas en mode énorme, hein, tu vois, comme sans le RTX. D'ailleurs, je vous montrerai bien sûr comment ça fonctionne, hein, sans une carte graphique RTX Nvidia. Vous allez voir que c'est complètement pas la même, hein. Et regardez ces blocs de toute beauté. Regardez, on peut voir un petit peu les petits reflets de lumière. Voilà, donc je vais tester plusieurs maps. Et je pense qu'à mon avis, elles vont vous plaire parce qu'il y a vraiment plusieurs styles. Attends, c'est quoi ça? C'est des cages où. C'est la fosse. C'est la fosse solide. D'ailleurs, là, on peut bien différencier le type de matériau. On voit bien que c'est de la ferraille, hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, je me permets, hein, je visite. Oh, c'est le dessous de l'arène. Oh, les effets, quoi. Eh, mais c'est un délire, hein. On est dans Minecraft, quoi. C'est encore mieux que la bêta. Petite fumée, là, passe dans les trappes. Oh là là, c'est ouf. Et là, du coup, c'est quoi? Est-ce que c'est l'armurerie? Ouais, je pense que, regardez, c'est l'armurerie, les gens. Alors, au choix, je prendrais directement l'armure en diams. La petite lanterne. Oh là là, je suis tellement fan. Attends, c'est quoi, ça? Laisse-moi avancer. Il y a des petits effets de lumière. Comme s'il y avait des lucioles. C'est un délire. C'est beaucoup trop stylé. Ah, et du coup, en fait, t'arrives par là. Très bien. Oh, qu'est-ce qu'on a ici? De la lave et une flamme. Non, mais cette qualité. Cette qualité, quoi. Alors, je vais voir un petit peu au niveau de la ville. Oh, je suis ébloui par la lumière. J'entends la foule. Et je gagnerai la foule. Je suis là. Du coup, César se met là en mode au calme. J'ai jamais eu la chance d'aller dans le Colisée de Rome. Très sympa. Donc là, on monte les marches et on va se diriger directement. Regardez la lumière. Tu vois, tu sens l'appel. L'appel du fight, du combat, tu vois. Et là, du coup, c'est ici qu'on vient se poser. Excellent. Et ce trône, mais il est en or, l'escalier là. Oh,
Oh, ah ouais, il se met tellement bien. Waouh. Ah ouais, ah c'est beau. Ah là, le côté doré, là, la feuille dorée, tu la vois bien là. Très clairement, il avait une de ses vues. Ah mais il se mettait bien, il manque plus que la grappe de raisin là. Et on est au top du top. Et quand même, et vu l'extérieur, ça a quand même de la gueule. Hein. C'est vraiment ouf. Hein. Franchement, un gros GG au builder. Parce que le Colisée est quand même assez dingue. J'imagine même pas faire ça en survival, hein, c'est mort. Hein. Il me faudrait 50 ans, là, laisse tomber là. Là, c'est. Ça serait un projet de retraite. Hein. Oh. Ah mais attends, mais ça reflète vraiment. Ah mais ça reflète le pilier derrière moi quoi. Oh mais c'est ouf. Très bien, ça reflète maintenant les objets quoi. Et pourtant regardez c'est fluide hein. Aucun problème hein, clairement. Et du coup on va passer les gens à d'autres maps. Ça va être ouf et je les découvre en même temps que vous. C'est ça qui rend l'effet un petit peu surprise. Et c'est ça que c'est bon. Et les amis, on passe de la map Colosseum à la map Neon District. Vous aimez Cyberpunk mais vous aimez aussi Minecraft. Et bah avec RTX vous allez pouvoir vivre cette expérience. Oh, oh les effets. Fait de lumière avec les Nenrod. Oh ça claque. Oh ça claque. Là tu sens Night City. RTX énorme le panneau. What. La ville vue de dessus déjà, elle est dingue. C'est vrai dans le cinquième élément aussi également. Là c'est clairement Cyberpunk là en mode en mode Minecraft. Et là vraiment avec RTX tu vois vraiment le truc. Oh là là. De nuit c'est dingue. C'est vraiment dingue. Franchement avec les petites vitres tout ça. Donc là j'imagine que je suis normalement sur certainement sur une autoroute. On va se balader un petit peu comme ça. On va voler vite fait genre histoire de voir un petit peu plus les ruelles. On va se mettre dans un endroit un peu plus stylé tu vois. Faire un petit peu là on a quoi. Ah voilà ça y est. Regardez là on est dans les rues. Oh c'est ouf. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Alors regardez là vous avez vu là. Là on voit actuellement de toute façon avec le mode RTX. Regardez là je vais l'enlever tout de suite attention. Voilà. Bon bah oui forcément. Bah c'est pas pareil. Bon les constructions restent quand même très impressionnantes hein. Encore un gros GG au builder. Mais on n'est plus du tout déjà au niveau des effets de lumière. On dirait que la ville dort là. Tout est parti se coucher tu vois voilà ça y est. Ah bah ouais mais là clairement y a pas photo. Wow c'est quoi ça. Oh ils ont fait un espèce d'hologramme. Oh attends mais je vais me mettre là. Et là on va réactiver l'option RTX Minecraft. Attention. Ah bah quand même c'est pas pareil hein. Donc le RTX est réactivé une fois de plus. Et on voit bien le poste de police là-bas qui est quand même vachement bien éclairé au niveau des lettres hein. Très bien. Et du coup on voit bien, regardez tout au loin, une espèce de station pétrolière. Mais avec la lumière verte, on arrive bien à la distinguer en fait. La petite lumière qui est située, elle est directement au-dessus de la grue là. Non mais là c'est la partie un peu plus industrielle et c'est ouf hein. Les lumières là, ces petites lampes vertes et violettes. Voilà, bienvenue dans Cyber Minecraft. On va prendre un petit appart hein, au plus haut hein, clairement. Ouah cette tour, cette tour. J'aime beaucoup l'effet des hologrammes et des panneaux lumineux. Regardez, il y a que c'est un hôtel. C'est quoi ces usines. Oh là, oh le panneau solaire. Oh, avec du diam, c'est tout. Et en plus ça éclaire vachement bien l'immeuble d'en face hein. Ah ouais non c'est beaucoup trop classe hein. Bon, par contre laisse tomber pour dormir laisse tomber le délire quoi. Alors du coup je voulais visiter un petit peu là. C'était quoi cette espèce de réacteur là. Avec les petits tubes d'énergie là qui descendent. Très bien. Regardez là on peut bien voir les trappes en fer. C'est ouf. C'est magnifique. Manque plus que la voiture et John Wick. Et on est bon hein, clairement. Et surtout c'est la physique. Moi que je kiffe la physique. On voit bien du fer. On arrive à se rendre compte un peu plus de du type de matériau en fait. C'est de la pierre, de la terre, du bois. Regardez là on voit clairement du fer. Parce que ça reflète. Alors que, regardez, on a du béton. Et là, ça reflète un petit peu moins, quoi. Dans le mode vraiment très réaliste. Et la lumière qui se reflète à certains endroits et à d'autres non. C'est génial. C'est vraiment génial. Du coup, les gens, on va continuer. On va continuer avec une autre map. Attention, direction une nouvelle map. Et là, les amis, j'ai pas les mots. On se retrouve pour une map aventure. Les pionniers du portail. Déjà, l'ambiance musicale. Les effets visuels. Non, mais please. Ce panneau GeForce RTX Nvidia quoi. Oh là là. Mais ça va changer tellement de trucs en fait dans l'univers de Minecraft quoi. Regardez déjà les effets dorés du portail. Allez on n'en parle pas plus. Direction le portail. Oula la séquence. Qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça fait partie du portail. Ah voilà ça y est les gens on y est. On a passé le portail. Oh là là la lumière. Mais please. On est où. On est dans une base. Tellement c'est déjà rien que la musique elle est vachement cool. Génial. Et là avec avec la vitre vu qu'elle est teintée on voit pas la lumière correctement. C'est quoi ces ordinateurs et tout. Les petites LED et tout sur les serveurs. Mais please. Ça change à chaque map hein, les textures hein. Oh là là. Je veux cette armure. Je prends tout. On va pouvoir s'équiper. Moi je prends tout hein. C'est mort. Attends ah, d'accord on a deux tenues. Oh. Énorme. On a le gun. On a l'arme. On voit le monde. Regardez à l'extérieur. Oh c'est génial. Oh l'aventure a l'air ouf. Okay, j'imagine qu'il faut descendre. J'imagine qu'on va devoir prendre plusieurs portails. Ok, on va prendre l'escalier au bout, je l'ai vu. C'est énorme. L'ambiance musicale, l'ambiance visuelle, elle est dingue. C'est tellement un plaisir les gens de découvrir ça avec vous. Regardez les petits néons là. J'ai même pas mentionné la lumière, de toute façon.
Je pense qu'il n'y a pas besoin. Oh la quête! Non mais c'est ouf! C'est trop beau, c'est trop beau. Je souhaite la bienvenue sur la planète Alien. Ah, j'espère que t'as bien reçu les infos du robot. Ah, on a perdu apparemment un composant du processeur. Le personnage est superbe, regardez. Les ombres et l'animation du perso est vraiment cool. Il a une carrure, une belle carrure. Donc là c'est clairement une map aventure. Ok, on a la quête à droite, find RTX. Ok, on a trouvé un processeur RTX. Enfin une des pièces du processeur RTX, pas mal. Petit clin d'œil. Oh, ah oui, on peut les trouver dans ces 4 biomes. Forêt arctique, lac gelé, caverne des cristaux et le ravin brûlé. Wow, c'est un système d'ascenseur. À plus, Jim. Ça va être ma bonne chance. Starting decompression sequence. Oh là là, les effets. Regardez les particules qui sont arrivées avec le vent. Oh, on a des créatures différentes. J'ai pas les mots. C'est un Pokémon. Oh, les effets de feuilles. Je les sens presque arriver sur mon visage. D'ailleurs, j'ai une arme pour l'instant, mais ils sont pas agressifs du tout. Il y a une petite partie de jump. Tranquille, à l'habitude. Ah, c'est vraiment ouf. Regardez les petites lumières là. Trop propre. Ah, écoutez, je vais suivre le chemin. Donc là, on sort de la base. On va essayer de trouver justement cette petite pièce. Cette pièce de processeur RTX. Et de carte graphique surtout. Ce GPU, il me semble que c'est la carte graphique. Waouh. La lumière du canyon. Donc ouais, c'est bien ça, c'est de la carte graphique. On n'a pas inventé un processeur. Un spoil, imagine. Oh, un processeur. Waouh, le portail. C'est un portail? C'est un passage. Attends, mais c'est un truc de ouf là, la couleur. Ah, c'est la caverne. Oh là, il y a des sales bêtes là. Il y a des sales bêtes là. Ok, on va la trouver les pièces de cette carte graphique. Oh, hi, Explorer. Hey, salut Kat. Hey, bonjour Explorer. These crystals are amazing, aren't they? Hey, t'as vu? Ces cristals sont incroyables. We've discovered a strange... Oh, je trouve une structure étrange à l'intérieur des cavernes. Est-ce que tu pourrais pas les voir? Tu suis juste le cristal avec les araignées et tout, et tu dois le trouver. Waouh, sympa. Tu étudies le cristal, c'est ça? Waouh, ça s'allume tout seul. Oh, le mob. Hostile. C'est une araignée. Cristal, hostile. Regardez la qualité du bloc. Ok, très bien. Du coup, on s'équipe de notre arme. Et on va se diriger dans cette caverne. On va l'explorer un peu plus. Oh, il y a des pierres qui s'allument. Tu sais, c'est comme dans Avatar avec les plantes quand tu t'en approches. Oh, l'ambiance, elle est ouf, l'ambiance sonore. Une araignée. Meurs. 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 Non. Laisse-moi kiffer là. Est-ce que c'est une civilisation ancienne? Alien, j'aurais dit surtout. Attends, vous voyez qu'on n'est pas vraiment sur notre planète. Ça se voit un peu aux araignées, non? Bah, après, on pourrait se croire en Australie, hein. Mais... c'est quoi ce bruit? Ok, très bien. Non, pas en mode horreur, RTX, oh, non, merci, non. Ah, meurtre, elle est morte. Ok, j'ai obtenu une patte. On a trouvé cette structure. Alors, on est parti dans l'aventure. T'as Indiana Jones? Oh, mon pavé, on se casse. Waouh. C'est un pont de... en cristal? C'est quoi ce truc? Oh, ça s'allume quand on marche dessus. Regardez cette planète là. Là, on voit bien du vert là-bas, donc il doit clairement avoir des trucs un peu genre émeraude, peut-être. L'eau est bien bleutée, hein. C'est quoi, c'est un temple... un temple doré? Ah, on peut casser ça. Oh yes! Oh, comment ça se pète trop bien! Regardez ça! Eh, franchement, si c'est pas propre, regardez ces piliers en or qui brillent encore mieux avec la lumière, quoi. Le mode cinématique est enclenché! Ah! Le mode fight est enclenché! Venez là! Meurs! Meurs! Allez, meurs! Oh! Qu'est-ce que c'est que ces trucs trop stylés là? Ok, j'ai compris. Donc là, on va allumer en fait le cristal qu'il y a là en bleu par rapport au symbole. Voilà, bleuté. Très bien, là-bas on a une flèche. Et la flèche, c'est le rose. Ok, voilà, donc là on est bon. Très bien, ça l'allume entièrement. Là, regardez, ça allume là-bas les symboles. Là ensuite, il nous faut encore le S. Le S, c'est ça. Voilà, et enfin on termine avec le rouge. Regardez. Yes! C'est l'ouverture. Oh là là, oh cette zone. Oh ce temple. Oh ce temple! Oh le nombre de mobs! Meurs! J'aurais bien voulu avoir des munitions du John! Ah, c'est ça, casse-toi! Attends, c'est un miroir? C'est un miroir en fait, regardez! Il y a un miroir, c'est pour ça, t'as l'impression qu'il y en a plein, mais pas du tout! Regardez! C'est ouf! Regardez ça! On dirait qu'il y a une porte en 2D dimensionnelle. Et en fait, elle se reflète plusieurs fois dans les miroirs en face de nous. C'est génial! Continue à explorer le temple. Ok, une nouvelle énigme. Donc là, on a. En fait, les symboles sont en dessous nous. Il faut pas marcher sur les autres plaques. C'est là. On a une flèche là. Est-ce qu'on a une flèche de l'autre côté? On n'a pas de flèche de l'autre côté. Il y en a combien? Il y a une seule flèche. On a 3 bleus et 2 rouges. Donc là, de toute façon, on voit bien. Regardez avec le contour autour de la dalle qui est magnifique. Hein, au niveau de la couleur, on voit bien qu'on a du rouge. Ici, donc du rouge. Donc le rouge, c'est bien le symbole là-bas. Donc ça, on l'allume en rouge. Voilà. Ensuite, on va allumer celui à droite. Ah ouais, mais non. Faut que je puisse passer. Bon, je vais passer par là. Ça l'a allumé? Yep. Ça l'a allumé. On peut sûrement remonter de l'autre côté. On va prendre. Donc le reste c'est le bleu. Le S c'est le bleu et il faut en allumer 3. Donc là c'est pas. Je peux passer par là, regardez. Ah oui, mais non, faut que je puisse monter. Comment je peux monter? Par où je peux grimper pour accéder à cette plateforme? Regardez, il y avait des dalles. J'ai vu une dalle sur le côté. Ok, il faut sauter d'un pilier à l'autre. Ah ouais, donc c'est chaud. Faut le faire peut-être dans un certain ordre.
si tu veux pas allumer le reste. De toute façon, une fois que c'est allumé, ça c'est cool. Donc là, c'est bon, là c'est allumé. Donc là, je peux prendre le bleu, parfait. Et là, je vais pouvoir allumer ça. Ah mais non, c'est déjà allumé. Ah, c'est, il faut le faire d'un certain sens. Peut-être commencer par le bout en fait. Là, c'est allumé en blanc, on s'en fout. Ok, donc là, je peux l'allumer en bleu. Voilà, pas de problème. Ensuite. Ah, j'aurais pu faire celui de côté. On passe derrière pour pas les allumer. J'en ai un autre là. Celui-là, je vais l'allumer en bleu aussi. Parfait. De toute façon, une fois que c'est allumé, c'est bon. On a celui-ci aussi, qui est en bleu. Voilà, parfait. Donc là, après, on pourra accéder au rouge. Donc là, le rouge, c'est ça. Mais là, vu que c'est déjà allumé, c'est pas un problème. Regardez, on peut passer là. Ah, j'ai oublié de manger. Nyeh. Regardez, ça allume même le sol. C'est beau, hein. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Donc là, on va pouvoir repasser sur la plateforme. Je vais faire cette énigme. On va passer sur le mid. Voilà, comme ça, parfait. Et là, j'allume cette partie-là. Nice. On retourne là. Il me semble que ça c'est rouge. Ça peut être que rouge vu qu'on a qu'une seule flèche. Voilà. Et là on prend ça. Donc là on va être rose et on va pouvoir allumer la dernière. Yes. Et on est passé. On s'enfonce de plus en plus vers la victoire. Oh, petit coffre. Oh. Yes. C'est parti de la carte graphique. Ah. Ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est ça. Et ça c'est quoi? Oh. Oh, c'est un laser. Non non non. Mais ça tient. Ça tient quoi? Panique. Faut qu'on se barre d'ici, faut qu'on se barre d'ici. Ils sont pas là, ils sont pas là. Je vais manger les pommes, attendez. Voilà. Même la pomme, elle a bon goût en RTX. Donc là, le but, c'est de ramener la pièce, quoi. Ok. Waouh. Et là, on plonge. Alors, pardon, les effets de lumière dans l'eau, aussi. Pff. Oh là, avec la Crystal Cave, c'est magnifique. Donc là, j'imagine qu'il faut retourner au labo. On va retourner au labo. On va se barrer d'ici, les gens. Ok, ça s'allume et c'est cool. C'est bon. On a un gun. Ça a l'air de bien marcher. Et on va se diriger par là. Batman ? Yes. On est pas loin de la Batcave ? Matez ça, regardez ! Les chauves-souris et tout ! Il y en a pas mal, hein. On va certainement sortir, je pense, de la cave. Et les amis, en sortant directement de la caverne, je suis arrivé au niveau de la toundra. Et regardez les effets de neige. Et aussi également, enfin, une fois de plus, de lumière et de blocs. Voilà, donc je vais vous mettre comme ça. Et regardez, je vais enlever le RTX. Attention ! Et voilà, donc regardez, c'est clairement pas la même fois de plus. Donc ça reste, bien entendu, des belles constructions. Wow, il y a une cité sous-marine qui est très belle. Alors je vais réactiver, regardez, en direct avec vous, dans les options, dans vidéo, comme ça je vous apprends à le faire aussi au passage. Et je vais activer le ray tracing. Voilà, voilà. Wouah, cette ambiance quoi. Oh, il y a des crabes et tout. Pas mal, c'est beau, voilà. Et bah écoutez, je vous propose, parce qu'il y a aussi d'autres biomes, je vous montrerai bien sûr d'autres passages, hein, des autres biomes, hein, d'autres portails, de checker une dernière petite map, avant de mourir. Physiquement en train de mourir. Ah, avant de mourir, non. Et ça tombe bien que je sois mort, les gens, parce que regardez, je voulais aussi enlever le ray tracing dans les cavernes où on était tout à l'heure avec les énigmes. Et si je l'enlève, donc en direct, dans ce pareil, donc paramètres et ensuite vidéo, et vous allez tout en bas et vous enlevez le ray tracing. Voilà! Voilà, voilà! Je pense que on se rend compte un peu plus du délire. Hein. Ah, il y a toujours les énigmes, hein, mais la qualité des lumières, c'est vraiment ouf, clairement. Alors par contre, ce laser ne marche pas! Quand je l'ai buté, je l'ai buté! Voilà, regardez, je vais mettre là, quand j'aurai buté les spiders. C'est bon, je peux faire mon effet magnifique. Voilà. Ah bah clairement, ça en jette, hein. Ça en jette. Non mais je suis vraiment addict. J'ai hâte de voir toutes les maps qui vont être ajoutées au fil du temps. Et surtout, moi, de les tester. Par exemple, les multicraft, ça serait génial. Et avec d'autres maps, parce que c'est vraiment un délire. Mais les amis, toute bonne chose a une fin. Oui, parce que j'aurais pu rester des heures, hein, sur ces maps Minecraft et RTX, hein, tellement c'est oufissime. J'aurais pu aussi vous montrer également l'observateur RTX, qui est en fait tout simplement une tour, hein, nocturne, où on peut bien sûr observer la nature et aussi également tous les effets un petit peu lumineux, bizarres et étranges, hein, qu'on pourrait trouver bien entendu dans cette tour, mais aussi également Fins and Flipper, qui est tout simplement un aquarium, un des tout premiers aquariums en version RTX Minecraft, donc avec les effets, hein, que vous avez vu depuis tout à l'heure, donc c'est complètement dingue, hein. Vous pouvez observer bien sûr et la faune et la flore avec des effets incroyables, et aussi pour terminer le fameux Dark Village. Il y a aussi également d'autres maps RTX, mais je vais vous laisser bien sûr le plaisir de les tester et vous, au moins vous pourrez voir par vous-même et peut-être vivre des aventures encore plus dingues, hein, complètement. Ça va changer beaucoup de choses, hein, déjà au niveau de l'ambiance, hein, parce que clairement, hein, tu vois, là l'ambiance qu'on avait bien sûr dans le cristal, enfin dans les cavernes de cristal, c'est pas là, hein, c'était flippant étant donné que c'était sombre, alors que j'aurais peut-être pas eu, tu vois, sans l'effet RTX. Et je voulais surtout vous remercier, vous les amis, parce que c'est grâce à vous que je peux tester des expériences comme celle-ci. Et un grand merci à Nvidia qui m'ont permis bien sûr de redécouvrir, avec bien entendu les cartes graphiques RTX, parce que je vous rappelle qu'il faut la technologie RTX. De toute façon, vous aurez toutes les infos nécessaires dans la description ou même en
en info en dessous de la vidéo hein, pour pouvoir justement essayer cet effet RTX incroyable, cette technologie du futur sur Minecraft et pour voir aussi découvrir d'autres maps à l'avenir. En tout cas, c'était ouf. Merci à tous, les amis. C'était TheJumper. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes pour cette vidéo incroyable, pour la sortie officielle de Minecraft RTX. Hein. On n'est plus en bêta, enfin. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo au maximum. Merci à tous, c'était TheJumper. Et je vous retrouve très bientôt. Ciao, les amis.